dialogue.com. Bonjour, Banassé, Mimi, maman. Comment on en a là? Voilà. Ciao, Cassini. Are we good? Ouais, donc je vais un peu m'excuser à mes abonnés comme Afi qui sont abonnés sur la chaîne de Maman Trésor. En fait, le problème, c'est quoi? Sur mon téléphone, j'avais oublié de mettre sur mode avion. Alors, j'ai des appels qui sont en train d'entrer. Je vais demander à mes contacts, à mes Batunanga, arrêtez un peu, s'il vous plaît, de m'appeler. Donnez-moi le temps. Nancy dit ça live parce qu'à chaque fois que vous appelez, ils ont quatre images. Voilà. Ils ont quatre images. Ils ont quatre images. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent pas seulement entendre ce que j'ai à dire, mais qui aimeront quand même me voir aussi. Ouais, mais je n'avais pas fini avec l'histoire de Vincent et tout. L'histoire, il y a qu'au publier ma photo, il y a qu'au publier ma photo. Non, au commissaire de Bissouana, et puis au expliquer Bissouana, il y a un peu de temps qui est entre Enis et Diane Sarah. Enis, Diane Sarah et Mike. Moi, je n'étais même pas dans tout ça. J'ai subi des bêtises de la part de Enis, Diane et Mike. Et puis le monde, comme il ne savait pas que Mike s'était remis avec Enis, par Mumbalamoko, ils se sont dit bien que c'est Peignette qui a publié, c'est Peignette qui a mis. Dans les lotos, vous n'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, ni sur mon compte Instagram, mettre ces photos-là. Mais j'ai été poser une question sur une question-réponse, je crois que c'était en mars 2018. 19 mars 2019, où quelqu'un m'a posé la question. Ah, apparemment, ton mec est passé sur une émission. Il a dit que la photo, quand qui est avec d'autres femmes, c'est des photos montées. C'est vrai ou faux? Je faisais une série questions-réponses. Et comme moi, je dis tout à l'heure, encore ça va la rater. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part Dieu. À part Dieu. Que je dise la vérité, que je ne dise absolument rien. Moi, en tout cas, je trouve que ça dépend seulement de mon jugement, des faits que je ressens d'un moment à un, s'il y a d'autres choses que je vais rectifier ou pas. Alors, j'ai été posé cette question. J'ai dit non, c'était pas faux, c'était pas des photos montées, ce sont des photos vraies. Le mec a commis une erreur. Je pense que si les gens ne se rappellent pas, n'a pas chaîne YouTube, n'a pas page, n'a pas blogueur, n'a pas blogueuse, vous allez trouver cette réponse. J'ai dit oui, c'était lui, il a commis une erreur. On a pardonné et on est passé. Et tout. Mais pour l'infidélité, maman, ceux qui m'ont battu, malgré Nyon Sorana, pendant tout ce temps, vous avez un mariage ensemble, Abimana et Nissa, Abimana, Diane Sarah, pour l'infidélité, Yaya, maman, na yo na papa, nous avons oublié le mariage. Tu penses que Zaki, Kaba, Rose, Zalaki, ma parent, n'a pas de fan dans ma balle, au monde, qui a un sou, papa, Abimia, t'en as bon, bien salibo, est-ce qu'infidélité, il y a moins poussé, au beau, il y a mon bal, il y a un peu de jeune, bozo, bota, tu préfères encore, si tu as un bal, ami, balé, na ma boko, au beau, si c'était le cas, si j'étais partie à cause de l'infidélité, je devais partir en 2015. Voilà pourquoi je vous ai demandé de retenir un peu la date de 2015. Okay. Et de retenir pourquoi j'ai dit que je me suis inscrite pour la première fois pour mes études en 2015. Je vais revenir à ça. Si je devais quitter pour l'infidélité, j'allais partir en fin 2017. Quand j'ai appris que Mike sortait avec sa musicienne Joël, quand je lui ai confirmé avec des preuves que Joël avait ramassé à Mike, et à part ça, Mike a vandissé et panaranda, où il était dans catégorie que Joël faut qu'à caravane un abisso, je sais pas ce qu'il y a, ce qui nous doit, ce qui est avec le mot, ce qui n'a évité, bien sûr, le fait d'être seulement bête. J'attendais d'avoir des preuves tangibles avant de prendre une décision quelconque parce que je me suis dit c'est quelque chose de tellement lourd. Il y a quoi l'oba, il y a quoi accuser, mais tout que non, tu sors avec ta musicienne. Surtout que, bah, on est balé, bah, zoyem, belanzambe, et tout ça, bah, on a un groupe, il y a Shekina, et tout ça, je me suis dit, je ne veux pas être une occasion de chute pour cet orchestre. Alors, non, c'est la temps, on en a pas preuve. Si c'était le cas, si c'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2015. C'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2017. Je suis pas partie pour l'infidélité. On va revenir à la raison pour laquelle je suis partie. Mais j'aimerais qu'on que tu visites 2015. 2015, Shaddai, j'ai quitté l'Angola en décembre 2014 pour les États-Unis. On était en Angola parce que Mike avait une tournée en Angola. J'ai quitté l'Angola pour descendre aux États-Unis pour la naissance de Shaddai. Quand je suis descendue aux États-Unis, Mike a eu à me suivre, je crois, en février parce que Shaddai est né en mars.
et tout. Et quand on est descendu en 2015, comme c'était la toute première fois qu'on allait être aux États-Unis pour une longue période, tu as équipé que Côte Sapé demande à Mukamba et à Mike. Parce qu'avant 2015, Mike entrait toujours aux États-Unis avec un visa. Voilà. Avant qu'on a Mukamba, tu es à résidence aux États-Unis et tout ça. Parce que après le mariage en 2013, on est parti directement au Congo. Voilà. Direct. Et 2014, on n'est pas redescendu aux États-Unis. Tant que tu as équipé qu'on quitte en 2015. C'est comme Mike a dit que ça, la Mukamba naé. Et tout. Et comme on était aux États-Unis pendant une longue période, mm-hmm. non seulement parce que j'étais, je venais d'accoucher, j'avais besoin de temps de repos, il y a maternité et tout ça, t'as profité, paix, Mike a ça, la Mukamba naé et tout. Alors on était tous obligés de rester aux États-Unis parce que pour ceux qui savent, Nenge Makamango, il y a États-Unis, il y a Mukanda et ça, les Makaye, Marchaka. Quand tu entres, tant que Côte sera dément, tu ne peux pas sortir avant que tu n'aies une réponse. De la part de avant que tu n'aies une réponse de la part de l'immigration. Voilà. Alors c'est comme ça que tu as été aux États-Unis pendant une longue période. Alors quand on était aux États-Unis là, on venait d'accoucher, la boti en mars, le 8 mars 2015. Mm-hmm. Dans la j'ai ma soeur cousine. Comme j'ai dit tout à l'heure, na kotanga ba kombo. Ok. Je dis la vérité. Je cite le nom. Pourquoi ça a été soupçonné ou non, la situation c'était qui, c'était quoi. Non, je cite le nom. En 2015, quand je viens mettre au monde, aux États-Unis, comme on ne fréquentait pas vraiment les États-Unis après notre mariage, quand on venait, on restait chez nos parents, chez papa Roger Chimanga et maman Aline Chimanga, ici à Dallas. On restait chez eux. Parce qu'on ne pensait pas aussi qu'on allait, on n'avait jamais un projet long terme de vivre aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, quand on est descendu aux États-Unis, on était chez nos parents, comme je disais, papa Roger et maman Aline. Il y a ma cousine, ma soeur, je peux dire, je l'appelle cousine, pour que vous compreniez, parce que les gens connaissent mes soeurs de sang. J'ai trois petites soeurs, Anna, Jewin, Joyce. Mais j'ai grandi aussi avec deux grandes sœurs, les nièces à mon papa, mes cousines paternelles, que j'appelle mes sœurs. Bon, il y a une que j'appelle ma sœur, l'autre je ne l'appelle plus ma sœur, je ne l'appelle plus ma cousine, je ne l'appelle absolument plus rien. Mm-hmm. Vous allez comprendre pourquoi. Et en 2015, là, quand mes petites sœurs étaient encore mineures, et ils étaient encore à la maison, moi j'étais chez nos parents avec Mike, c'est papa Roger, maman Aline, comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a ma cousine, Grace, qui a dit, oh non, comme tu viens d'accoucher et tout, demande un peu à maman Aline et papa Roger si je peux venir t'aider. N'est-ce pas dans la Congo, au potin, dès qu'on a un mouko, à Sungiyo, et tout ça pour que tu dormes, pour que tu te reposes, et tout ça pour la Kambusuana. Bien sûr que j'étais chez mes parents, mais bah, oh, bah, les États-Unis, c'est pas comme en Afrique, hein, on n'a pas de bonnes, on n'a pas de domestiques, on n'a pas de quoi ça. Donc ma marraine devait aller au travail, elle avait fait ce qu'elle pouvait faire, elle était présente, elle aidait beaucoup, mais elle avait aussi ses enfants. Elle a ses enfants, elle a son mari, elle a son foyer, elle a sa maison, elle a son boulot. Donc elle ne pouvait pas être complètement là pour moi. Alors maman n'a plus dit, oh oui, ta soeur peut venir. Comme il y avait plusieurs chambres des visiteurs, elle dit, non, il n'y a pas de problème, comme vous êtes là, ta soeur est la bienvenue, c'est ta famille, elle est la bienvenue. Ça, c'est la marraine qui parle. Alors, grâce est venue, tout ça, et tout ça. Tant que ma cambouya a mis canon au pays et a fait qu'évoluer et tout, j'allais faire colis moutier et tout. Mike a eu à appliquer pour quelque chose qui s'appelait parole document et tout. Il commençait à faire quelques sauts, bah, va et vient, ma Kinshasa. Mon canon en est bien quitté, mais il y avait un travel document et parole document qui lui permettait de faire des voyages. C'était comme un visa prolongé de multiples entrées pour les États-Unis. Jusqu'à ce que Mukamba et Bima. Alors, c'était en novembre 2015. Voilà. Grâce à Siazunaki Panadango, parce que Shadai a Kulaki quand même, c'était en novembre 2015. Bah, au Bagan dans la Baebi. Bon, Baebi peut-être les solo T, mais Baebi quand même, Babilo Nazo Binita. Novembre 2015, c'est quand maman Lydia, frère Michel Bakenda et papa Henri Moulaja, que j'aime bien, que je salue. Bayaka, les États-Unis, Bayaka Nadalas, ils ont voulu faire comme un concert en commun. Et Mike était une invitée spéciale. Alors, c'était un concert où va te bêler, bah, rien qui va qu'une quoi. Et puis, je crois que le droit d'entrée était un tout petit peu élevé, ce qui pouvait se comprendre parce qu'il y avait quatre grandes têtes de la musique chrétienne congolaise qui allaient prester.
Et je me rappelle, ce jour-là, c'était mon dernier jour. Je m'excuse. Je me rappelle, ce jour-là, c'était mon dernier jour, mon dernier examen à l'école. Comme j'avais dit, j'avais repris aussi avec mes études en 2015. Ok, septembre 2015, c'est quand j'avais repris avec mes études parce qu'on attendait une candidat à Maïkébima. Alors, je me disais, si je ne travaille pas, que je m'inscrive au moins à l'école. Là, ça, c'est comment on a évolué dans. Alors, je me suis inscrite plutôt. J'ai pris 4 cours et je faisais mon dernier examen ce jour-là, le jour du concert, qui était aussi un samedi. Samedi à l'université. Alors, Grâce m'avait appelé ce matin-là. Ta soeur. Grâce, ma soeur, celle qui était venue m'aider avec Shada, était en Shada et Botamek. Est-ce que vous avez grandi ensemble, toi et Bekana Kimkolo? Non, on a grandi ensemble. Au fait, la relation est comment? Grâce, son papa, c'est le grand frère cousin de mon père. Voilà. Quand nous, on est venus aux États-Unis, mon père a rappelé aux États-Unis et il s'est fait que Grâce est venu aux États-Unis par canal de mon père. Voilà. Alors Grâce, comme sa famille était restée au Congo, Grâce a atterri chez notre oncle, tonton Jules et notre tante maman Mélanie que je salue, que j'aime bien. Elle a atterri chez eux et comme là-bas, Grâce avait demandé à ce que moi et Vanessa, l'autre cousine avec laquelle j'ai grandi, ma soeur Vanessa, si on pouvait parler avec ma mère, Vivine, que je salue, ma copa, Nana Kati, si elle pouvait venir rester chez nous, chez mon père, chez nous, à la maison. Ça, c'était avant le mariage. Avant le mariage, je pouvais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Grâce, maman a accepté, bien sûr. Et non, Azanias Nara, Bino Bozabana Bafi, Bossu Bokolipe, Boyeba Ninga Kouvana ensemble. Grâce, Aloué, Papa Jules, Aye Pabiso, Nanda. Donc, j'ai grandi avec Grâce comme ma soeur. Je grandis avec elle. Donc, tout ce que ma mère faisait pour moi, elle faisait pour Grâce. Parce que les parents de Grâce et les parents de Vanessa n'étaient pas aux États-Unis. Ils étaient au Congo. Donc, ma mère nous a élevés comme ses filles. Ensemble, je dis bien tout ce que j'avais, Vanessa avait, tout ce que j'avais, Grâce avait. L'amour et l'affection que ma mère avait pour moi étaient le même amour et la même affection que ma mère avait pour Grâce et pour Vanessa également. Voilà. Alors, Grâce, avec Kobe Ganga, elle m'a dit, oh non, c'est comment programme Nabino, parce que j'aimerais partir au concert, mais maman, on va foutre à droit d'entraîter. Ce qui n'a rien Nabino, ma côté Nabino, on va foutre, il s'en a été. Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de problème, il y a qu'un Nayo, mais comme nous, on va quitter le concert, apparemment, on va commencer à 18h, plus ou trop long, à 17h, soit là au plus tard, 16h. Elle me dit, oh, mais aussi qu'au programme dans les années. Voilà, il était encore matin, il était, je crois, 9h. Je lui ai dit, non, moi, je m'apprête maintenant. Je pars faire mon dernier examen à l'université. Et puis, je pense que plus tard, 11h midi, je serai de retour à la maison. Je vais apprêter Shadai. Je vais faire ce que je dois faire pour Mike et tout. Et puis, Tolongé, 17h. Elle m'a dit, maintenant, tu penses faire quoi avec Shadai? Parce que Mike aussi devait sortir à Kendosa Soundcheck. Il y a concert. Et ma marraine était au travail. S'il vous plaît, retenez les détails. Voilà. Ma marraine était au travail. Mon parrain aussi était au travail. Donc, c'était seulement Mike et Shadai. Alors, j'ai dit quoi? Non, je vais aller déposer Shadai chez ma tata Moissi, qui n'était non loin de là où on restait. Chez ma tata Moissi, tantine Annie, que je salue aussi, la petite soeur cadette de mon papa. Ma mère n'était pas là-bas. Oh, pourquoi tu n'es pas allée les laisser chez ta mère? Ma mère n'était pas aux États-Unis, elle était au Congo. Ah, moi, j'ai... un peu régulièrement, elle n'était pas là, alors je devais aller le déposer chez ma tante. Et c'est comme ça que Grâce a dit, au lieu, au Kumba, mingi mingi, au Kenyobotik, à Shadai, comme Shadai, c'est à mes sananana et tout, que je vienne un peu tôt à la maison et que je m'occupe de Shadai. Comme ça, quand toi tu vas revenir de l'université, au Kuta Shadai, c'est à Bungami, Shadai, c'est déjà prêt, toi tu auras juste à préparer, faire ce qu'il faudra que tu fasses pour Mike et t'apprêter toi-même. Et moi, je suis dans Zanassine à Bungami, donc je serai là à m'occuper de Shadai. Voilà. J'ai dit, ok, ça marche. Aucune arrière-pensée, c'est ma soeur. Aucune arrière-pensée. Bon, dans quelle classe? Examen à mon père, dans quelle examen quand même facile. Dans quelle classe, dans combien 9h30, 9h45, quelque chose comme ça. Dans quelle classe, il fait 10h15. Dans quelle classe, il fait 10h15. Notre professeur nous a dit que comme il y a un examen à Souka, il y a un semestre, dès que tu finis ton examen, tu peux rentrer. Grâce savait que j'allais rentrer à la maison vers 11h, 12h. Je suis descendue chez moi à la maison, 10h45, 10h30, 10h45. Moi, en compte, on a un lac, vous voyez,
je vois Grâce qui sort avec ses affaires. Donc, pour les cannes, il apporte. Je posais à Grâce la question, oh, Mamboui, tu pars où? Elle fait, oh non, j'ai eu un appel d'urgence et tout. Je pars, je rejoins la personne, mais Nakozonga avant 16h pour toki concert. Elle me dit, ah ok, pas de problème, aucune arrière-pensée, nothing. J'entre dans la maison, je trouve que l'atmosphère était horrible. Horrible, une autre chose qui m'a choquée, j'ai vu ma marraine. Je vous ai dit tout à l'heure, retenez les détails. Ce jour-là, ma marraine était au travail. Mm-hmm. Et ma marraine devait finir le travail à 14h. Mm-hmm. Elle travaillait de 6h à 14h. J'ai vu ma marraine. Désolée. I'm not crying. Yeah. You're not there. Non, non, C'est un peu maintenant quand j'y pense, c'est bon. On s'aimait seulement à rigoler, hein, parce que en tout cas moi, je pleurais. Non, les larmes sautaient. Pour cette dame, je pleurais plus. Mm-hmm. Alors, j'ai vu ma marraine qui était assise au salon et n'arrivait même pas à me fixer le regard. Elle avait des larmes aux yeux, elle pleurait et tout. Et sa fille aînée, Roline, me regardait, elle me regardait, non, maman, on s'en a mis sous. Mm-hmm. Et puis Olivia, la deuxième de maman Aline et papa, regarde moi, cassa, elle est courageuse, très intelligente, une fille tellement bien, avec beaucoup d'énergie. Parce que j'avais pas encore vu Mike. Mm-hmm. Quand je suis entrée dans la maison, dans la porte, j'ai vu la marraine au salon. J'ai pas vu mon parrain. Il était dans sa chambre, il était là aussi, mais il était dans sa chambre parce que je l'avais entendu au téléphone en train de parler. Mm-hmm. J'ai vu juste les enfants. Ma belle d'Olivia Pembe. Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oh, il y a Peigné, je comprends rien. Je comprends rien là, mais apparemment, il y a Mike et il y a Grâce are in trouble. Parce que maman est montée, elle est venue brusquement du travail, elle est en train de crier, maman est fâchée, je crois qu'il y a Mike, et il y a Graf, il est en train de se chamailler. Tu vois, la réflexion d'un enfant. Oui, oui. J'ai dit, ok. Je regardais ma marraine, je dis, maman, est-ce qu'on peut parler? Elle m'a regardé, elle dit, non, Peigné, on ne peut pas parler, pas maintenant. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, oh, non, Graf, ça y est, boué, avec ça, ni nanda, quoi, pas, tu nous amènes un bébé. Ça, c'est ma marraine et tout, mais pourquoi tout le monde n'a pas, je sais pas ce qu'elle a fait. Donc, apparemment, ma marraine, la façon dont ma marraine réagissait, je pensais qu'elle était fâchée contre moi, au fait. Mais elle n'était pas fâchée contre moi, elle avait pitié de moi. Et puis, elle n'arrivait pas à me regarder. Et mon parrain, quand il est venu, il est sorti de la chambre, il m'a vu, il m'a demandé comment s'est passé ton examen. Il m'a dit, ah, il est qui bien? Il m'a juste, il m'a fait un câlin et un bing. Il m'a dit, ok, on va t'apprêter pour le concert alors. J'ai dit, ok. Un matin du colo, un petit pêche à qui a la même position en antique qui est. L'enfant n'était pas lavé, il a augmenté. Bon, je banalisais. Je commençais à m'occuper de mon enfant. Il y a Mike qui m'évitait un peu. Tant on a fait une chalet, on a dit au chérie, tu vas manger? Nathalie, on a mis sur rouge. Quelqu'un qui pleurait. Je dis, oh, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je me sens pas trop bien et tout. Et est-ce que tu as reçu une mauvaise nouvelle de Kinshasa? Oh, t'es, j'ai rien reçu. Je lui ai posé la question, quelque chose s'est passé entre toi et Grâce, et c'est comme ça qu'il m'a dit, oh, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, mais non, Olivier m'a dit que apparemment pour soigner bien quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Rappé, n'habite pour moi là, ce qui dit, ma canisina qui n'a qui place pour nati. Pas un des connards. Ma canisina qui n'a qui kunati. Alors il m'a dit non, on va parler. Parce que moi, je m'apprêtais pour le concert, j'ai apprêté Shaddai, je dressais la table. C'est comme ça que Mike a dit, non, je n'ai pas vraiment de l'appétit dans l'Oliaté. Mais c'est ok, on a débarrassé, mais ça. Et comme 15h, 16h, heure, il y a le concert, et comme on pousse Anna, Mike ne s'habille pas, Mike ne s'apprête pas. Et je demandais à Mike, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Et non, parce que tu as donné à papa Henri ta parole, tu as donné à frère Michel ta parole, tu as donné à maman Lydia ta parole. Toi qui as fait leur pub, tu as dit que tu as un concert. Maintenant, tu as un concert. Tu as dit que tu as saboté Bango. Force-toi, je sais que tu ne te sens pas bien, mais force-toi. Si tu sais que tu ne sauras pas chanter parce que tu te sens mal, informe Bango. Peut-être que tu vas faire ta prière d'ouverture, quelque chose comme ça, mais il faut te guider. J'ai insisté. Andini Alati Tokei. Tokei ma conseil. Rappé, tant de grand-mère qui vient à 15h, 16h. Comment on fait en Grâce? Grâce, rappelez-vous.
Non, non, mais ok, les appels ne passaient plus. Je me suis dit, ok, whatever, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ça va déco, c'est ma soeur, c'est ma famille. Et bien, on a fait 4 ans à 4 ans. Oh, c'est go, 4 ans. Mais on passe. Alors, tu commences un concert. Et Mike est quelqu'un qui est extrêmement doué dans la musique. C'est parmi les meilleurs chanteurs que j'ai eu à écouter, que j'ai eu à voir sur scène dans ma vie. C'est la toute première fois que j'ai vu Mike monter sur scène et chanter hors gamme. J'ai dit, ok, il y a vraiment un ça ne va pas. Parce que lui-même avait insisté qu'à quoi il battait un des moments. Quoi. Mais Mathé a aimé hors gamme. Il, avait pas, il n'a pas bougé un peu la salle, l'audience. Il a ça, d'accord. Mm. C'est comme ça que je me suis dit, Moto, vraiment, il ne se sent pas bien. Ça, c'était le samedi. Quand on revenait à la maison, je lui ai dit juste, Emma, tu vas bien? Elle dit, oui, non, je vais juste me reposer. Samedi, il est qui? Dimanche, il est qui? Samedi, il est qui? Je veux que humeur n'aille. Et bien, n'aille Karako, ça améliorerait. Alors, je me suis dit que peut-être elle a un souci, il veut rentrer à Kin et tout. Elle a peut-être un projet, elle a pas ça à réaliser. Parce que Mike ne se retrouve vraiment pas aux États-Unis. États-Unis, la terrain a été. Ça, c'est, je le connais. Je connais qu'il se retrouve au Congo. Il aime le Congo. Alors, je me suis dit, peut-être, ben, dis-moi, dépression, mon robot, parce qu'il est au States. Ma bosse, ma gueule, tout grâce. J'avais bien oublié, moi, mon fou, que c'était il y a un ça ne va pas avec mon mari. Et je dois trouver une solution pour l'aider. Alors, le lundi, tout Vandaki, j'ai fait un peu de parler avec lui, toujours pas de changement. Lundi, il est colica. Mardi, c'est cool. Le mardi, maintenant, il est sorti très tôt le matin avec notre parrain, et puis avec Kozonga et tout. Et quand ils sont rentrés, j'ai fait une blague à mon parrain. J'ai dit, papa Roger, pouni koyi, maman m'ba les journées, m'a m'ba oubli. Oh, puis m'a ramé et tout ça, on a rigolé, c'est passé. Et c'est comme ça que papa Roger, ayaming na kaka, il a dit, non, je t'ai ramené ton mari, va parler avec lui. J'ai dit, ok. Je suis montée dans notre chambre, j'ai vu Mike était assis sur le lit, toujours crispé, toujours pas bien. Et je me rappelle le jour précédent, j'avais vu une vidéo qui circulait sur YouTube où c'était bah, genre hein, les amis de Mike Alambay et tout, Babando Tel Misabat Nanzela, quelle est ta chanson préférée de Mike Alambay, quelle est Babatunion, ça va se témoigner en bien de Mike. Je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose qui va vraiment remonter. Son esprit qui va vraiment aider et remonter le moral naïe et tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit chérie, regarde, fais-le moi vidéo dans qui chat et tout ça, regarde comment les gens parlent bien de toi. Oh, donc vous allez un autre tendre, hein? Vous allez un autre tendre, donc pas très, trop même. Trop. Alors, j'ai dit regarde, fais-le moi vidéo et tout ça, tout ça. Quand je lui ai montré la vidéo, quand il a commencé à entendre les gens en train de parler en bien de lui, Mike s'est éclaté, il a commencé à pleurer, donc il était inconsolable. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème ici. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu devras me parler parce que ça ne va pas. Je comprends qu'il y a vraiment un problème. Et il s'est levé. Il s'est levé, a tourné, a écouté la main. Il est venu devant moi à Fukami. C'est comme ça que je me suis dit, ok, what is going on? Qu'est-ce qui se passe ici? À Fukami. Et il a dit, chérie, je t'avais demandé pardon parce que je t'ai trompé. J'ai dit, ok, ça veut dire quoi? Tu m'as trompé, c'est-à-dire que c'était la toute première fois que j'ai eu à découvrir l'infidélité. Je sais que tout à l'heure, j'ai mentionné que j'ai eu à découvrir les preuves de Mike et sa musicienne Joël. Mais ça, c'était des preuves en 2017 que j'ai eu à découvrir. Mais en 2015, c'était la toute première fois que j'ai eu une connaissance quelconque de l'infidélité d'une tromperie. Et Fukami, il a dit non, j'étais trompée. Et je lui ai demandé, tu m'as trompée avec qui? Et puis il m'a cité le nom d'une dame là, en Angola. Et moi je t'ai trompée avec Nantan à communauté.
je t'ai trompé avec une dame là, en Angola, quand tu as quitté pour venir mettre au monde à Shaddai, en décembre. Mais aussi, le samedi passé, je t'ai trompé avec Grace. Jesus. J'ai dit quoi? Mec! Messieurs! Quoi? Oh, je t'ai trompé. Je t'ai trompé avec ta soeur. Je t'ai trompé avec ta soeur. Mais ça... C'est vrai qu'il me comment. Non, mais... Je sais que Peniel a ses capots, c'est défoulé, ça. Vous t'y connaissez, Sabine, en haut. Azo ses capots, et ça allait bien. Pour ton bande d'émission, on vous avait promis ton bande d'amour 13h. Ton bande d'arrêter à 20 minutes parce que Peniel a bandé au Léla. Peniel a bandé au Léla. Bien sa décision, mon co, dans Azo, je vais ma casse, et aux point fort. À Léli pour Nayango. Parce que ma cambo peigne la lobby, ah bah tout vous allez poser des questions. Oh, t'es, pourquoi que ce mambo on fait pour les canaux, on a TV tout et tout. Peigner ma cambounaé à chaque bah, message question-réponse. Il y avait des gens bandant tout la peigne. Est-ce que bah, photo on va pidier qui est à solo infidélité à frère Mike. Peigner la lobby, oui, et ça est solo parce que peigner la lobby qui est à Coca-Cola balokoutate n'amounon konaé. Donc, tout le monde qui est de Colombie, Aza est sous Naliba, la nette. Frère Mike, Aza, Moutou a yébani. Aza, Moutou, Aza, star, na biso. Ouais, a yébani partout. Alors, ma kambou, yaba, figure publique, nyoso. Ndam, ouais, traitement, la moune, la police, même moussous, et bimara, karaboué. Voilà pour l'infidélité. Peignel. Quel que soit Frère Mike, à sa l'infidélité, nan de Kono, ça fait mal. Parce que, bah, toi, bah, tiko, le wabo, pour ekome, l'ote, oui, ça fait mal. Est-ce que, yamou, yotinda yo, Obo Malibal aussi longtemps que vous avez senti au pays pardon. Obo Malibal a capon infidélité. J'ai dit tout à l'heure que l'Ikambouane est fermé en 2015. Si je devais quitter à cause de l'infidélité, il n'y a pas de choc plus que ça. En fait, il s'agit de l'infidélité. J'allais quitter en 2015. Je ne suis pas partie. Je répète ma possible micro. Voilà. Je ne suis pas partie à cause de l'infidélité. Tu as pardonné la ton mari. La raison pour laquelle je suis... Oui, je pardonnais mon mari parce que Shaddai est né en 2015, Zion est né en 2020. Ah, oh, ok. Oui, okay. Je l'ai pardonné. Zion est né 5 ans après, après cette histoire. Et non, 2020, il n'y a pas de... Zion est né en 2019. Ok. Donc, quoi ça? Ouais, j'ai pardonné. On a évolué. Mm-hmm. Je ne suis jamais partie à cause de l'infidélité. Tu n'as jamais même dit ça dans les réseaux sociaux, Bimi Samote. Bien, je répondais dans des commentaires, vous voyez bien en côté. C'est quelque chose que je n'ai jamais mentionné. Et là, il y a au moment la ticala colobelate. Parce que je me suis dit, moi aussi, à Bombaramoubal, Naye, tout ça, patati patata. Et pour n'avoir au bazo, pourquoi elle parle aujourd'hui? Je parle aujourd'hui parce que je me sens prête. Et je parle aujourd'hui parce que c'est mon histoire. J'ai le droit de le partager tel que je veux. Je ne dois absolument rien. Parce que quand je l'ai vécu seule. Je ne l'ai pas vécu avec Shaddai. Je ne l'ai pas vécu avec Zion. Je n'ai pas vécu ce choc avec Mike, je n'ai pas vécu ce choc non plus avec vous. Donc, et ça, pour moi, c'est une façon aussi de me libérer aussi de cette affaire. Exactement. De tourner la page complètement parce que je vois d'autres commentaires. Ah, pourquoi Lélo, pourquoi le papa JF? Papa JF, il faut nguer. Voilà. Ouais, voilà, papa JF, il faut nguer. Merci. Parce que ndenge o dénoncé l'Arabie so ba makambo. Voilà, je pense que banda o luka Peniel a loba. Tu disais que Peniel a loba. Peniel a banda qui vraiment a se senta qui prête. Azala qui vraiment ou édité o toluba kapo a loba makambo. Ye moko ba forcé été a se sentir prête. Ya obimisa makambo. Ok. Poto ke de moi mbangu li to zwa temps parce que tozu derrière 2 heures de temps explication oyo. Siko eloko nini. Infidélité à Mike et l'homoli solibal à Tépénien. N'a pas moins la nion sozali. N'a pas moins la nion sozali. S'il vous plaît, vous aidez Bissot dans la réalisation. Vous êtes distrait à Bissot avec le papier. Donc, n'a pas moins la nion sozali. N'a pas quitté. Tu es jolie. Parce qu'il faut le bambou. Tu es très jolie. Tu es encore trop jeune. Pour 30 ans, vous êtes comité dans mon sika. Et puis, n'a Mike ndenga zali nande bo fan de la couple na mino simba parce que olinga mobali no infidélité olimbisi obito move on mobali na ngana infidélité s'il vous plaît na limite ya quand 2015 la limite en 2015 la limite en 2016 la limite en 2017 ya mon nene OK la limite en 2018 voilà je ouais. Suis pas parti OK to sangisi yango a limbisi po okutu ya makasi eza okoki. On attend, il faut que la inime au kindola la nan de koya moi si na yo. Ça c'est grave. Au limbici. Oh,
olubike toko bonisa. Me eloko nini mama, mambwa minene boyo limbisi, me kalali tina ndekono limbisi. Eloko nini oyo yosko bima eba. Kongo Dialogue.com